Il y a 5 jours, le palais de Kensington a dévoilé un communiqué dans lequel il faisait part de l'hospitalisation de Kate Middleton, princesse de Galles, après avoir subi une opération programmée au niveau de l'abdomen. Si les nouvelles sont plutôt bonnes, le roi ne peut s'empêcher d'être très inquiet pour sa belle-fille. La suite après la publicité, l'annonce a fait l'effet d'un choc aux fans de la royauté britannique. La semaine dernière, les admirateurs de la couronne apprenaient l'hospitalisation de Kate Middleton dans l'établissement London Clinic dans le quartier de Marylebone à Londres. Dans un communiqué officiel du palais de Kensington, on apprenait que la princesse de Galles avait subi une chirurgie abdominale programmée sans que l'origine de cette intervention n'ait été précisée. L'opération s'est bien déroulée, et Kate Middleton se porte a priori bien d'après les dernières nouvelles. Ce qui n'empêche pas le public et les membres de la famille de rester inquiets pour elle. À commencer par le prince William, évidemment, mari de Kate Middleton et père de ses 3 enfants, George, Charlotte et Louis, 10 ans, 8 ans et 5 ans. Mais également le roi Charles, pourtant lui aussi concerné par des problèmes de santé. Ce n'est qu'à quelques minutes d'intervalle que l'opération de Kate Middleton, la future intervention sur la prostate de Charles III et le cancer de la peau de Sarah Ferguson ont été révélés. Mais même si le roi s'apprête lui aussi à subir une opération, il n'en reste pas moins très inquiet pour sa belle-fille. Charles III soucieux pour la santé de Kate Middleton. Kate Middleton et le roi Charles III n'ont jamais masqué leur complicité. Lors d'apparitions officielles, la princesse de Galles s'est combinée distance royale et proximité avec son beau-père, ce qui classe Kate Middleton au rang de belle-fille favorite dans le cœur de Charles. Les deux sont tellement proches que Kate Middleton serait presque plus complice avec lui que son propre fils, le prince William. Ces liens qui unissent le roi Charles III et Kate Middleton font naître l'inquiétude chez le souverain. Robert Harman, auteur de la biographie de Charles III, a déclaré aux médias britanniques qu'il était très inquiet pour la princesse, il est un grand fan d'elle. Il pense qu'elle est un grand atout. Il serait plus inquiet que quiconque, à l'exception du prince William, à son sujet. L'écrivain a poursuivi au sujet de Kate Middleton, elle est en forme, elle est jeune, mais elle est hors course pendant 3 mois. C'est une source d'inquiétude mais pas d'alarme. Charles III ne lui mettra pas de pression, afin de ne pas lui faire sentir qu'elle doit reprendre ses fonctions. Kate Middleton peut donc prendre tout son temps pour se remettre sur pied et récupérer son aplomb avant de reprendre les obligations royales. S'il est souvent question d'argent, l'adage quand on aime, on ne compte pas fonctionne aussi pour le temps apparemment. La suite après la publicité.